Bonjour et bienvenue à l'émission En bref. Les élèves du cours de droit de M. Brault ainsi que la classe de sociaux de M. Gendron viennent de passer la nuit en prison à Trois-Rivières. Il s'agit évidemment d'une sortie éducative. Nous profitons donc de cette occasion ce matin pour les rejoindre en direct pour qu'ils nous parlent de leur expérience jusqu'à présent. Donc, M. Gendron, ça va bien? Ça va bien, merci. Good, good. Donc, comment se passe ce voyage jusqu'à présent? Ça se passe très, très bien. Les élèves ont quand même relativement bien dormi, même si la nuit a été courte. Mais ça se passe très, très bien. Hier, on a pu faire une petite marche dans la neige sur le bord du fleuve pour ensuite aller manger dans des restaurants là, sur la rue des Forges. Parfait. Donc, en parlant de la nuit, comment s'est passée votre première nuit à prison? La nuit se passerait bien. C'est toujours avant la nuit avec les gardiens de sécurité. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, on est des prisonniers pour une période d'environ 10 heures. Alors, on perd tous nos privilèges. Puis, ben, évidemment, les gardiens nous montrent un peu comment ça se passait dans les années 70, là, dans le milieu carcéral. Parfait. Donc, quel est votre horaire d'aujourd'hui? Aujourd'hui, on va quitter dans les 10 prochaines minutes. On va se diriger vers Montréal pour aller au palais de justice pour aller voir un procès. Parfait. Donc, merci beaucoup, M. Gendron. Donc, passez une très belle journée puis soyez prudents sur la route. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Bonne journée. Hockey Dynamo Garçon. Il y aura une partie d'exhibition contre CIH jeudi le 29 novembre de 3h à 14h30. S'il vous plaît, consultez la liste près du gymnase pour les joueurs qui sont invités à participer. Voici maintenant quelques occasions de bénévolat qui pourront t'aider à compléter tes heures obligatoires. Nous sommes toujours à la recherche de bénévoles pour le Festival de Noël de Castleman qui aura lieu cette fin de semaine. Il y a plusieurs occasions disponibles. Autre occasion de bénévolat. Le Club Optimiste de Saint-Isidore, qui organise le Noël des enfants, t'invite à faire des petits heureux et se joindre à eux le 9 décembre de 8h30 à midi à l'Aréna de Saint-Isidore. On t'invite, cher Dynamo, à venir prendre part à la parade de Noël de Castleman le 2 décembre prochain à 17h30. Passe voir M. Carrière à l'orientation afin de donner ton nom. Ton implication comptera pour des heures de service communautaire. Toujours dans le cadre du Festival de Noël, on t'invite à venir encourager l'équipe d'improvisation lors d'un match avec les anciens Dynamos, dans le cadre du Festival de Noël de Castleman. L'activité se tiendra le dimanche 2 décembre, 13h à 5h, dans l'ancienne école pour adultes située sur la rue principale à Castleman. Il y aura une pratique ce midi pour l'équipe de danse de la Cafétech au local D147. À la météo, ce sera de la neige aujourd'hui. Maximum de 0 degré Celsius. La neige se poursuivra cette nuit et demain avec des accumulations possibles de 5 cm. C'est tout en ce qui nous concerne ce matin. L'équipe d'Ambrès vous souhaite une excellente semaine. Bonne fête, Noah.